Nikki sort demain dans les salles de cinéma. C'est le premier film réalisé par Céline Salette, qu'on connaissait comme actrice, surtout jusque-là. Et elle a choisi Charlotte Lebon pour interpréter Nikki de Saint-Phalle. François Cluzet aussi a été très impressionné mais par le film. Mais merde, putain, Céline Salette, elle a joué dans 37 films fabuleux et maintenant elle passe derrière la caméra. Merde, on ne la voit plus. C'est quoi ces nouvelles actrices qui n'ont aucun narcissisme et qui laissent leur place aux autres? Merde! Il a raison, François Cluzet. Pour vous, Charlotte Lebon, on a fait venir un Québécois, Jean-Marc Généreux. Oh là là! Nom d'un caribou diabétique accro au sirop d'érable. Charlotte, nous les Québécois, on pique tous les jobs des Français. Dans les animations télé, dans les films, et même pour chanter sur la Tour Eiffel au JO. Oh! Le grand remplacement, c'est nous! Et ça, j'achète! Oui! Et ça, Lâchesse! C'était nul! Il y a un énorme travail à faire sur l'accent. Énorme. Je t'emmerde! Ok! Ah bah alors, c'est que Jean-Marc Généreux triche alors. Bah vous allez découvrir un autre accent, celui de Jean Lassalle. Ah, belle région! Niki de Saint-Phalle, comme on voit sur l'affiche du film, s'est fait connaître en faisant de l'art avec une carabine, voyez-vous? Je voudrais dire, voyez-vous, aux bobos là, qui veulent interdire la chasse, c'est un malentendu. Voyez-vous. Dans les forêts, il n'y a pas de chasseurs, mais des artistes. Quand un cycliste est défiguré par une balle, c'est juste René qui fait du Picasso. Et quand Marcel confond un lapin avec son fils, c'est pas un accident, c'est juste une nature morte. Vive nos belles régions. Est-ce qu'elle était bien l'accent? Très bien. Le comédien Raphaël Quenard est là avec nous aussi pour la première fois. Alors déjà, si je résume... Un film sur une femme, joué par une femme, réalisé par une femme. Vous dites si je dérange. Importune, enquiquine. Nous les hommes, on devient des intrus, indésirables, parasites, usurpateurs, et ceci et cela. Au revoir, adios, à bientôt, à la prochaine, ou à tout de suite, s'il y a encore moyen de s'incruster dans le film. Je vous attends dans la loge. Aïe. Merci, monsieur Canard. Et on termine par Jean-Claude Van Damme, qui lui aussi connaît bien les États-Unis. Ok, bonjour, au revoir. Good morning aux Anglais et good McMorning aux Américains. Bien sûr. Yeah! Wow, il y a une pieuvre. Et si tu avances et tu recules, comment veux-tu que tentacule? Oui, bien sûr. Alors. Comme ça dans le film, Charlotte, c'est toi l'héroïne. Super. Perso, je préfère la cocaïne. J'aime la vie. Et tu joues une plasticienne, peintre, sculptrice, graveuse, réalisatrice. En fait, tu joues une schizophrène. Fallait me demander des conseils. Bonjour Jean-Claude, c'est Jean-Claude. Comment ça va Jean-Claude? C'est ce que je disais, la drogue c'est mal. Vous pouvez obtenir Marc-Antoine Lebray. Bravo. Qui reste avec nous. Tout comme Céline Salette et Charlotte Lebon, qui dans un instant, je l'espère, vont faire gagner la valise RTL.